qui ne cesse de jamais tromper de destinataire en envoyant un SMS ou un message sur les réseaux sociaux. Régulièrement, Emily Fiorelli reçoit des messages privés la concernant, mais qui ne lui étaient pas destinés. Elle en a d'ailleurs partagé l'un d'eux en story Instagram, ce mercredi 1er juin 2022. Comme toutes les femmes enceintes, la gagnante de Secret Story 9/2015, a pris du poids lors des grossesses de Luna et Pharrell, 4 et 2 ans, née de ses anciennes amours avec le footballeur Mbaye Niang. Mais depuis, grâce au sport et une alimentation saine notamment, Emily Fiorelli s'est délestée de tous ses kilos. Selon certains, elle en a même un peu trop perdu. La charmante Marseillaise a partagé une photo d'elle sur ses réseaux sociaux qui a fait réagir l'une de ses abonnées. Elle y apparaît en brassière et cycliste noiré, d'après l'internaute en question, cela met en avant sa maigreur. Elle commence à trop maigrir celle-là aussi, a-t-elle envoyé accidentellement à Emily Fiorelli. Une critique que la jumelle de Loïc a partagée en story. S'il vous plaît, quand vous voulez envoyer des stories à vos amis, faites attention. Très souvent, si estime-moi qui les reçoit. Trop grosse, trop maigre. Il y a toujours un problème avec le regard des gens. Je me sens super bien dans mon corps, si est-il le principal, a-t-elle répondu. Emily Fiorelli reçoit des messages d'hommes en couple ce n'est pas tout, Emily Fiorelli, qui est célibataire aux dernières nouvelles, reçoit également d'autres types de messages dont elle se passerait bien. PS, je reçois souvent des messages de mecs en couple qui voulaient certainement envoyer mes stories à leurs potes. Faites attention PTDR, a-t-elle conclu. Un détail qui a dû amuser bon nombre des internautes, hormis les principaux intéressés qui devraient faire davantage attention les prochaines fois. Depuis sa rupture avec Mbaye Niang, Emily Fiorelli est très discrète concernant sa vie privée. Mais parfois, elle fait une exception afin de faire quelques mises au point. S'il vous plaît, veuillez ne plus m'informer sur les sorties nocturnes, les fréquentations ainsi que tout ce qui touche à la vie du père de mes enfants. Nous ne sommes plus ensemble. Oui, j'ai été trompé et pas qu'une fois. Oui, j'ai été sali, humilié et bien plus que j'éviterais d'étaler ici, je ne suis pas fier. Aujourd'hui j'ai fait le choix, depuis un moment, de ne plus donner de chance au couple que l'on formait. Alors stop, arrêtez de venir me dire ce qu'il fait même si cela me conforte dans mon choix, ça ne me sert strictement à rien. Aujourd'hui je suis heureuse, mes enfants le sont aussi alors tout est parfait. On s'entend comme il le faut si est-il le principal, s'était-elle agacée mi-mai.